suspendu. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Nouvelle petite vidéo, nouvelle session. Hier, on a cartouché les brochets, les perches, ça mordait très très bien. Donc, moi je suis revenu aujourd'hui le dimanche. Et puis Alexis lui est pas là, il est parti au ski. Donc, je suis tout seul aujourd'hui. Il y a un temps magnifique, il y a du soleil. Je vais vous mettre le filtre polarisant d'ailleurs. Parce que sinon, ça va être, il y aura des gros reflets partout, déjà qu'il y en aura. Donc là je pars sur zone et puis je vais bien voir si ça tape. Objectif comme hier, comme une des dernières vidéos du coup. Nous hier c'était vraiment, j'ai fait pas mal de petits vifs, de petites perchettes. Et ensuite, ouh, et là il y a déjà un truc, je sais pas ce que c'est, peut-être une branche. Ah non, ça doit être, je sais pas. Donc objectif trouver des poissons, surtout au départ des petits vifs. Ensuite je pose une canne au vif et je pêche au leurre. Les perches devraient quand même assez bien réagir au leurre quand on sera sur la bonne zone. Et puis on va gratter comme ça. En attendant d'arriver sur la zone avec les vifs, je vais commencer avec un leurre souple 4 pouces et faire de la verticale. Je vais ranger cette canne en attendant qu'il y ait du blanc. Je vais préparer un marqueur que je mettrai quand je serai sur la zone où il y a du blanc. Comme ça, j'aurai pas besoin de chercher trop longtemps l'écho ou quoi. J'ai de la batterie, ça c'est pas mal. Ah, il y a du fond. Loupé. Loupé, loupé. Pendu. C'est pas vilain. C'est pas vilain du tout ça. Ça sent le brochet. Ça sent le brochet déjà. Ouais, brochet. Coffret. Ouh. Il me fait même peur. Ouh, il est tout blanc celui-là. Hop là, décroché. Voilà. Vous avez vu, j'ai pris une première tape. Je sais pas si c'était une perche ou lui. J'ai pris une première tape, j'ai redescendu, j'ai reposé, tac, il a tapé une belle cartouche bien franche, magique. Nickel, on vient d'arriver il y a quoi? Même pas 5 minutes? Moi je dis c'est prometteur, c'est prometteur. Alors regardez, ça c'est le brochet qui redescend. Là c'est le combat, et là il est en train de redescendre avec au sondeur. Je sais pas si vous voyez très bien comme il y a du soleil, mais là hop, il est parti se refoutre au fond. De suite il est parti se remettre au fond. Ces derniers temps, on avait beaucoup de mal à toucher les poissons en fait parce qu'ils étaient entre deux eaux. Ils étaient pas, il y en avait partout sur toute la couche d'eau. Il y avait du blanc sur toute la couche d'eau. Là, on va arriver sur la zone avec les blancs. Il commence à y avoir du poisson blanc, comme vous voyez. Et il y avait des poissons partout. Du coup, c'était difficile de les faire réagir. On n'arrivait pas à les localiser, à passer bien comme il faut devant eux pour qu'ils prennent. Là, ces derniers temps, ils sont plaqués au fond. Étant plaqués au fond, c'est beaucoup plus facile de les faire réagir. Comme ils sont tous au fond, ben, on est à peu près sûr que de leur passer sous le nez, quoi. On leur passe forcément à 10 cm de la gueule, tandis que quand on est en pleine couche d'eau, dans 6 mètres d'eau, ben on peut leur passer à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et il faut vraiment qu'ils soient énervés pour venir le prendre. Voilà, quand même. Voilà. La première. Vif, hein. J'en ai qu'une pour l'instant. C'était déjà au bout. Ça se fait déjà défoncer. Ah, loupé.
Je vais vérifier que j'ai encore la perche parce que. Ouais. Oh, ça se fait défoncer à une vitesse. C'est inimaginable. Ça se fait défoncer. C'est parti. Pendu. C'est pas gros. Une belle perche. Putain, celle-là, si je descends les leurres, elles vont défoncer. Perche. Que t'as défoncé, mais bon voilà. Première perche. Un brochet, une perche. Voilà. Bon, elle a plus de tête, elle a plus d'yeux, elle a plus rien. Il n'y a plus de cerveau. On va voir si ça repart. Sinon je vais pêcher au leurre. Hein. Puisque ça, à mon avis, au leurre, là, ça doit déboîter. Allez, c'est reparti. Un peu plus jolie celle-là. Une perche encore. Un petit peu plus joli. Hop là. Ouf, par contre toi t'es piqué plus profond. Oula, j'ai failli perdre ta place moi. Elle bouge encore. N'importe quoi, moi ça marche bien ce montage. Hein. Hop là, merde, merde. Ah, ça a lâché. Ça reprend. C'est au bout. C'était au bout. Encore une perche. Elle est pas vilaine celle-là. J'espère qu'elle l'a pas. Je vais vraiment ferrer la touche. Ouais, nickel. J'ai ferré à la touche. Je pouvais pas la piquer mieux. Voilà. Troisième. Bon, de toute façon, j'ai plus de vif là. Oh. Elle bouge. Cette boîte qu'elle a prise. C'est plus correct. Là déjà, on parle un peu plus. C'est une belle perche. C'est une perche déjà bien plus correcte. Bah oui. Eh ben oui, eh ben oui. Une perche plus correcte. Oh, mon vif. Méchante. Et boum, 40 cm. Piqué à ras de la gueule. Voilà. Voilà. Et je me tourne pour que vous puissiez la voir. Boum, 40. J'ai 40. Par contre, elle. Voilà. Ben, j'ai plus de vif. Génial. Il est monté jusqu'à la surface, ensuite il s'est arraché, il est redescendu au fond le vif. Oh. Il aura passé un sale quart d'heure. Hop. Putain, si je passe autant de temps à réussir à faire un pauvre vif, et aussi peu de temps pour prendre une belle perche. Si je le fais taper lui. Voilà, je l'ai fait taper. Je l'ai fait taper. Regarde, il y avait des trucs là.
Je suis descendu dessus, il a pris direct. C'est des mastas perches. C'est que des mastas perches. Yes, elle a pris. Ça, c'est un banc que de grosses perches. Oh, je vais me gaver là. Le one-up, il est mort. Allez. C'est que un banc de grosses perches. Est-ce que par où je peux piquer ce one-up? Ça devient ça la question. Attendez, j'en ai un autre. Ah, je l'avais. Elle me démonte le leurre. Elle est pendue, je crois. Je suis pas sûr. Peut-être une petite sur le teaser. Non, rien. C'est le leurre qui s'est complètement arraché. Allez, pendu. Pas vilaine, hein. Elle est pas énorme, mais... Elle tirait pas mal, non, elle est pas énorme, en fait. Elle a succombé au Black Minnow. Par contre, elle est morte. Non, je l'ai pas remonté de profond, mais... Elle était bien gonflée. Parti les gens. Oh non! Je crois que ça a cassé en plus. Ah non, elle est encore vivante, encore là. Ah, ça partait bien, hein. Ça partait bien, bien, bien. Poisson. Une jolie petite perche. Comment je la coffrais. Alors les 4 pouces, hop là. Sans problème les 4 pouces. Hein. Cette fois c'est pendu. Oh, c'est pas vilain. Belle perche. Hop là. Oh, elle a encore au trou du cul. Pourtant j'ai ferré la touche là. Ah non, ça va. Elle n'a pas trop profond. Bordel de canne. Quel bordel. Nickel. Une perche de quoi? 36, 37? Nickel.